aux yeux. Très bien, maintenant à toi. Bonjour tout le monde. Mais un euro, non pas tu madame. Marcher à tradition, marcher à... Dans cette vidéo, vous allez voir comment on prépare un classique de la cuisine antillaise, le courbouillon de poisson. Donc on va faire ça avec mon Dani, sur le feu de bois, en mode authentique et roots bien sûr. Ah, il faut que... J'ai l'air encore, hein. Attends, c'est bien vu là, non ? Première étape, on va faire revenir des petits légumes. Donc là, c'est des piments végétariens. Il y a aussi du cive, quelques oignons. On fait revenir tout ça sur l'huile bien chaude. On va faire revenir. Outre le côté authentique et le goût qu'apporte la préparation au feu de bois, c'est aussi une cuisine qui est rapide. La préparation est vraiment beaucoup plus rapide que de le faire sur les plaques ou sur le gaz. Deuxième étape, la réalisation du bouillon. Donc pour ça, on va simplement couvrir d'eau et laisser mijoter quelques minutes. Ce que Daddy appelle la potion magique, c'est quelque chose qui change vraiment tout dans ses plats. Il met toujours ça, donc c'est de l'huile de roucou. Vous trouvez les graines de roucou assez facilement dans les magasins, les boutiques exotiques et chinoises. Et donc il faut additionner de l'huile, préférence de l'huile d'olive, et vous laissez ça dans une bouteille, et ça vous fait de l'huile de roucou. Dernière étape, l'ajout du poisson pêché par Daddy sur place. Poisson. Poisson pêché hier. Hier et mangé aujourd'hui. Assaisonné hier. Ouais. You know I thank you for teaching I grew and rise. Ça, on va le faire frire plus tard. Mmh. Et ça, courbouillon. Courbouillon. Très bon ce poisson, ce carangue jaune. Dernière étape, laisser mijoter le tout, toujours à feu vif. Donc on va laisser de chaque côté le poisson cuire et puis ce sera prêt. Les odeurs sont déjà délicieuses. On attend un peu et puis après on va les tourner. Bonne journée. Le petit teint de lin. Flat, petit l'ail. Après, on va chaluer. Donc juste avant de retourner le poisson, Daddy conseille de mettre à ce moment-là les aromates. Ça permet de conserver toutes les saveurs, parce que si on le met en début de cuisson, on va perdre vraiment tous les arômes. Donc là, il a ajouté du thym et de l'ail. Voilà, en quelques minutes, c'est prêt. Pour accompagner notre délicieux courbouillon de poisson au feu de bois, on a des racines du jardin, donc manioc, madet, patates douces et de la banane jaune aussi. Il y a des yams aussi, je crois. Mon père me dit toujours que c'est des bons aliments qui donnent de la force, c'est des racines quoi. Un petit tour du côté du poisson pour voir où ça en est. Terminé.
Rapide. Hein. Une rechaille. Voilà un plat simple, authentique, plein de saveurs. C'est vraiment le type de plat que je mange le plus quand je me trouve en Guadeloupe. Et ça fait vraiment tout mon bonheur. Avec ça, je suis ravie. J'ai pas besoin de plus. N'hésitez pas à vous inspirer de la recette de Dadi pour réaliser votre courbouillon de poisson à la maison ou même si vous faites ça sur les plaques. Si vous suivez bien les étapes, ça sera quand même bon. L'important, c'est de manger local et haïtal, bien sûr. Bon app!